ne m'étonne. Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Moïka, pour les nouveaux ici, et je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est une grosse journée. Donc on n'a même pas eu le temps de vous faire des petits clips pendant qu'on se préparait, parce que c'était vraiment le chaos ce matin, parce que les enfants sont malades, même moi je suis un petit peu malade. Et puis Riley il a décidé de faire une grasse matinée, on avait rendez-vous pour 9h. Là il est 10h06. Donc vous comprendrez qu'on est quand même en retard, mais c'est pas si pire. What? De toute façon ma cousine m'a dit que c'était correct. Donc là on doit aussi passer à la pharmacie pour elle prendre la teinture noire. Donc voilà, donc on va vous amener avec nous dans cette journée. Premier vidéo shoot pour Riley. Reggie, il a déjà fait partie de plusieurs petites vidéos de ses amis qui chantent et tout. Donc, mais bref, on va s'arrêter aussi pour se prendre quelque chose. Oh! Oh non! Ouais, oublie ça. On veut passer se prendre à manger, mais le service volant, il y a au moins 12 voitures. Tu vas aller avec papa, mais je pense pas qu'il y a... Y a-tu un line-up? Non, ça a de l'air pas pire. Pour moi, un trio, le junior là, avec un café de deux. Et pour les enfants, prends une patate pour eux. Prends d'enfant deux patates et un muffin au bleuet. Dada. Puis un jus de pomme. Ouais. Prends un breuvage. Un trio, c'est Dada. Quoi ton breuvage? Moi, un café de deux. Dada! What is it, Ray? Dada! Oui, papa est parti chercher. Il va aller chercher McDonald's so we can eat. Donc ça, ça va être peut-être l'habit pour les garçons. On n'est pas encore sûr de ce qu'ils vont porter là. Donc, oh d'ailleurs, sa ceinture est comme toute... on va la serrer, hein. Attends, ok. On la serre un petit peu là. Wow, wow. Papa, c'est papa qui les a assis. Puis papa là, c'est les règlements de sécurité. Et puis sinon, on a Cameron qui est là. Il représente aussi, ils sont tous les deux habillés pareil là. Mais c'est parce qu'on a également un photoshoot d'automne qu'on va faire tantôt. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une pierre d'un coup. Mais le problème, c'est que la température est vraiment, vraiment laide. Il pleut, il fait gris. Moi, je dois continuer de me préparer en même temps dans l'auto. Et puis, mais on va voir. On va voir comment ça va se passer. Si on voit que les enfants sont de bonne humeur, parce qu'ils sont quand même un peu... ils sont quand même malades, là. Ils ont un rhume et une grippe. Donc, dépendant de comment ils vont se sentir, peut-être qu'on va aller faire notre séance photo d'automne. On a quand même deux séances. Donc, je sais pas si on va comme... On va aller aujourd'hui parce qu'en fait c'était prévu pour demain, mais c'est le fait qu'on doit sortir pour le vidéo shoot qu'on s'est dit faire une pierre d'un coup, mais sinon ça pourrait aller à demain aussi. Donc c'est ça, sinon maintenant ça n'a pas le choix d'aller à demain en fait, parce que j'ai pas amené mes tenues à moi. Ouais, j'ai pas amené mes tenues pour ça. Dans le fond, je pourrais prendre des photos des garçons, de Reggie avec les garçons. Ouais, ça va être plus simple, je pense, aussi comme ça, parce que comme ça, j'ai pas à prendre mon trépied, prendre toutes les affaires pour les photos. Des fois, on prend des photographes, mais sinon, pour des photos Instagram, on y va vraiment avec notre matériel là. Donc là, moi, j'ai terminé de m'arranger. J'ai pas eu le temps de faire mon teint, j'ai rien eu le temps de faire. Comme je vous dis, on est sorti tellement vite ce matin. Mes cheveux, je sais pas. De toute façon, moi, je suis pas dans la vidéo là. Moi, c'est, je suis comme behind the scene avec Cameron. Mais quand même, I just want to look good, you know? I just want to look good. Donc, j'espère que ce sera pas trop long au McDo là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est correct, Riley. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux le laisser comme ça. Donc, on se revoit tantôt. Bon, on vient d'arriver chez ma cousine. Ah, attends, laisse-moi t'aider. Pauvre bleu. Non, on sort Cameron, on oublie tout le temps Tilou. Donc, on va décharger l'auto, il y a quand même beaucoup de choses à prendre. T'as pris les clés, attends. Commencez par aller voir ce qu'est le game plan. Ouais, bonne idée. Puis, on retournera voir ce qui se passe. You guys are ready? Tu me donnes la main? Let's go, Cam. C'est trop beau. A few moments later. Reggie, you cooling? I'm cooling. On attend parce qu'ils sont partis filmer une scène, je pense, puis on vient d'arriver. Wow. Non, pas ça!
Ah, il a peur des ballons. C'est correct si je te filme? Ouais. Ah ouais, il a peur des ballons. Hein? Faut mettre que tu mets beaucoup, là. Ah ouais? La madame avait mis beaucoup? Ah ouais, comme une... On dirait que c'était de la neige sur sa tête. Hein? Ouais, ouais, comme ça. Elle me garde à filmer là. C'est toi qui fais ça. On va filmer ta tête aussi là-dedans. Mais là, je veux pas la ranger. Calmez-vous là. Yeah, baby, it's gonna be good. Comme ça, puis c'est quoi après? Après, ben, mais je sais pas, moi je vais jamais, c'est toujours lui. Moi je pense que c'est tout. Ou peut-être qu'elle met. Oh, t'en as un! Attends, on va mettre un wave cap on your head because your braid is all up. Ryan a fait sa première chasse? Oui, mais on l'aurait fait le dernier rendez-vous, mais c'est que. C'est quoi, t'as dit, ben? Mario était pas là, je pense. Moi j'ai hâte à Cameron. Where's Dada going? Je sais pas comment mettre le wave cap moi. Et puis moi, mais déjà tu vois ça a bien aplati la mousse, fait que juste de le serrer. Attends, je vais tenir comme ça. C'est ça. Ah, il est cute. C'est bon bébé. Il est cute hein. C'est à qui ce gros toutou? Oui. Il faut qu'on t'achète un. On va le filmer. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Usually, première steak, je vais filmer tes mains, genre qui scroll sur la page. Puis deuxième steak, je vais filmer ton regard. Bon, puis là, je vais filmer. Je viens. Bisous. Mouah. Mouah. Comment tu dis donc? Wouch. Wouch. Cam, t'as toujours ton biberon de lait, pour qui tu te prends? Ouais, mon lait à moi. Hey, restez gentil avec Tata Magda, là, les petits enfants là. Hein? On fait courir Tati Magda. Je vais sur le niche. Encore. Oh ouais. T'es fort. Bravo. T'es lourd. Tu en fais comme les Haïtiens. Oui. En cachant dans le bout de chandail, bout de brassière. Venez, venez tuer! Venez tuer, mon gars! Yes! Son nez? Anymore much. Let me hold it. Let's go. Bon, donc Riley vient de terminer sa petite scène avec son papa. Donc il avait une scène tout seul. En fait, il avait trois scènes. Il avait une scène sur la balançoire avec le chanteur. Ça recommence à... Ok, c'est parce qu'on est en dessous des arbres. Ok, non, ça recommence. Bon, finalement, Riley avait pas fini. On retourne sur le plateau. Are you okay? Cam is in the car, bubble. Oh, it is. Ouais, y en a un.
plane. Ouais, elle s'amuse avec le parapluie brisé. Oui, c'est brisé, mon bébé. Ok, on recommence, Riley. Riley, on recommence. Va voir papa. Non, plus dramatique, plus là. Plus là? Ouais, comme si t'arrives là, je suis face à toi, face à toi. Tu regardes même pas. Petit, trop drôle. Hein? Je vais aller voir comment ma grande cousine va avec Cameron. Je vais voir s'il s'est endormi. Donc, je ne vous ai pas donné beaucoup d'updates. Ah, je pense qu'elle s'en vient. Le seul parapluie qui n'est pas brisé, on en avait trois. Le seul qui n'est pas brisé, ben, c'est lui. Que Riley, ah, mais là, il ne pleut plus. Mais c'est que ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est genre la pire météo pour tout vidéographe ou photographe ou mariage. Non, genre, tu veux tellement pas ça. Il y a quelqu'un. Tu t'en viens avec Cameron? Il a-tu pleuré beaucoup? Ah oui, il adore les alphabets. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. À part, c'est ça, son nez qui coule. J'ai hâte de voir. Il a un beau petit rôle. Il avait trois scènes. Oui. Oui, tu baby. Hé, là, Cameron, tu t'amuses. Au moins, il est arrêté, là. Là, il faudrait s'enlever en dessous des arbres parce qu'à cause des arbres, on dirait qu'il pleut. Mais il pleut plus, là. Bon, on est de retour à la maison. Ben plutôt, je suis de retour à la maison. Comme vous pouvez le voir, les enfants ne sont pas là. Reggie non plus, il est parti chez sa mère. Ouh, il y a un beau soleil, je sais pas pourquoi. Je gardais les rideaux des garçons fermés. Donc d'ailleurs, on est le lendemain de tout ce que vous avez vu du vidéo shoot. Je sais pas où vous placez. Je viens juste de terminer de filmer une story time. Je vais mettre cette story time peut-être pas jusqu'au mois de décembre parce que finalement, je suis même plus sûre qu'on va faire Vlogmas. C'est pas réaliste parce que c'est dans une période avec le lancement de mon site et tout. Le lancement de mon site va être pendant cette période-là. Donc je trouve que c'est beaucoup de pression pour moi de publier des vidéos à chaque jour pendant Noël, malgré que j'avais vraiment envie de faire Vlogmas cette année car l'année passée, on l'a fait et vous aviez adoré. On l'avait fait sur Zone 4. Si jamais vous voulez aller voir, je vous laisserai la playlist en haut. Je vais tout simplement publier plus en fait. Parce que là, vous savez que je suis déjà rendue maintenant à une vidéo par semaine ou deux semaines. Donc, pour Vlogmas, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement publier peut-être aux trois jours ou... quelque chose comme ça, puis ça va être dans la thématique, bien sûr, du temps des fêtes de Noël et tout. Donc voilà, je voulais également mettre ça à jour parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent Vlogmas. Donc voilà, vous avez vu que pendant le vidéo shoot, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était une journée de pluie, mais... Behind the scene, in the rain, on a Travis qui est là, ouais. Avec son suit. Mais pour tout regarder la prochaine scène... C'était l'horreur, ok? C'était l'horreur. Je pense que c'est le pire cauchemar pour tout vidéographe. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais fermé les rideaux. C'est parce que le soleil fait en sorte qu'il fait extrêmement chaud. Et maintenant, on est comme dans une période où on ne sait plus trop si on ouvre le chauffage ou pas. Et là, nous, je pense que le chauffage... Donc justement, le chauffage dans la chambre des garçons est ouvert. Je vais le fermer parce que les températures sont tellement pas constantes que des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud. On ouvre le chauffage, on ferme. Et là, quand il y a le gros soleil en début de journée, ben, en début d'après-midi, ben, on peut fermer le chauffage parce que sinon, c'est trop chaud. Comme je disais pendant le vidéo shoot, j'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais vraiment vous expliquer en fait comment ça s'était passé en général. Et comme vous savez, ma caméra a déjà plein de problèmes. Donc l'eau, s'il y avait de l'eau qui aurait tombé dedans, ben, j'aurais perdu ma caméra, ce qui veut dire plus de vidéos. Mais honnêtement, ça s'est super bien passé comme vous l'avez vu. C'est exactement comme je m'attendais de Riley. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais inscrit Riley dans une agence. En fait, c'était une agence qui m'avait recommandé de mettre Riley parce que une personne justement dans cette agence me suit sur YouTube. Finalement, j'avais pas poursuivi avec ça parce qu'on avait eu, je pense, une opportunité en Ontario. J'avais pas envoyé Riley faire l'audition pour ça parce que c'était loin, c'était en période de semaine. Reggie travaillait et ça allait être un peu compliqué. Et c'est aussi parce que je trouvais Riley très très jeune et je savais qu'il allait pas aimer ça. Puis dans le temps, en son temps, Riley avait 18 mois dans cette période là, même moins. Et je me suis dit que je voulais pas, comme tu sais, parce que moi je voudrais là, qu'il ait des opportunités à la télé ou des choses comme ça, le pousser dès le jeune âge sans forcément que c'est de lui-même ou comme. Comment vous expliquer? Vous savez, il y a des enfants que dès le jeune âge on peut voir que c'est quelque chose qui va leur plaire. En tant que parent, on le sait, et Riley, je sais que c'est quelque chose qui allait lui plaire, mais à 16-18 mois, j'étais pas encore sûre. Donc j'avais finalement enlevé de cette agence et je me suis dit que j'allais prendre le temps de le laisser grandir avant de le mettre dans une autre
autre agence. Et il y a aussi mon ami qui m'avait recommandé une agence. C'est l'agence Girage. Donc après cette vidéo-là, je me suis dit non, c'est sûr et certain que je mets Riley dans une agence-là comme il va. Il est trop, trop cute. Il comprenait exactement les rôles et le jeu en fait qu'il devait faire. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a rien eu de... Comme ces scènes se sont passées nickel. On n'a pas eu à les refaire et refaire et refaire. Si on les refaisait, c'était vraiment parce que le vidéographe, vous avez vu, il y en avait juste un. Il devait prendre des plans. Ah, j'ai mal au bras, les gars. Donc voilà. Alors là, justement, comme je vous expliquais, Reggie est partie avec les enfants chez sa mère chercher de la nourriture qu'elle a préparée pour nous pour la semaine. Et moi, j'avais beaucoup de choses à faire parce que justement, j'avais une commande de mon fournisseur qui arrivait. Donc d'ailleurs, la commande est bien arrivée tôt. Je sais que beaucoup de monde qui me suit, on est toutes super fans des drinks le matin, que ce soit smoothie, des cafés et tout ça. Moi, je suis vraiment, j'adore les boissons comme qui stimulent en fait. Parce qu'avec des enfants, je vous jure que ça aide. Attendez deux minutes parce que là, je reçois tellement de notifications. Ok, ouais, c'est une cliente justement qui veut commander une perruque 99J, c'est une perruque bourgogne qui ira sur mon site. Parce qu'en fait, là, avant que Reggie rentre, il faut que je complète tellement de choses. Et je me suis dit, je vais vlog, mais je pense que c'était pas une bonne idée, mais c'est ce qui fait en sorte qu'après ça, je publie pas pendant des et des jours. C'est que je me dis, ok, si j'ai plein de choses à faire, je suis mieux de juste faire ce que j'ai à faire sans vlog. Mais en même temps, j'aime ça comme vlog. Donc là, déjà, on va amener mon trépied en avant. Comme ça, je vais faire ce que j'ai à faire tout en vous parlant. Ok guys, donc nous voilà dans la cuisine, vous êtes installés. En fait, moi j'adore le café et le problème là-dedans c'est que j'en bois tous les matins et honnêtement c'est pas la meilleure chose à faire, surtout si on met du sucre dans le café, tu sais, c'est quelque chose qui est déjà stimulant. Donc des fois ça me faisait des palpitations, donc j'avais des gros maux de ventre. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui buvait du café comme moi beaucoup et que vous avez ce problème là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc il est quand même important d'alterner avec d'autres breuvages le matin, donc que ce soit un smoothie. J'ai aussi changé mon café maintenant pour du café décaféiné aussi, ça aide aussi. Mais sinon je me suis dit que je voulais me remettre au thé. J'ai reçu ce magnifique colis d'une compagnie canadienne qui s'appelle Thé Surprise. Donc ils m'ont envoyé un magnifique calendrier de l'Avent que j'ai hâte d'utiliser pendant le temps des fêtes. Justement, je me suis dit oh, qu'on va faire, si on fait vlog, mais ce serait cool, mais c'est pas grave, de toute façon je vais l'ouvrir tous les jours et je vais faire des stories Insta, comme je vais faire un peu vlogmas comme sur Instagram, mais sur YouTube je vais publier plus que à la norme. Et ensuite ils m'ont envoyé ce beau petit coffret là et ils m'ont envoyé plein de thé. Et ce que j'aime beaucoup avec cette compagnie, vraiment c'est une compagnie qui font toutes sortes de thé. Donc autant des thés pour la perte de poids, ça c'est ce que je prends à la base. Les thés pour les gens qui ont de la misère à s'endormir le soir. Des thés de stimulation tout comme le café. Des thés verts normal. Et tout ça, des thés non caféinés. Parce qu'il y a des thés qui contiennent de la caféine un petit peu dedans. Et aussi leurs thés sont organiques. Donc bio et tout ça. Ce n'est pas fait avec aucun agent. Rien de tel. C'est tout. Ils sont faits avec des plantes, des produits 100% naturel. J'aime leur petit sachet. Voilà, alors j'ai d'ailleurs une promo dans le fond à faire pour Instagram pour ça. Ce que je vais faire avant de m'embarquer dans le travail avec ma compagnie et tout. Là, notre garde-robe là, je suis plus capable. Je fais toujours des gros rangements dans notre garde-robe et for some reason, on n'est pas en mesure de garder ça organisé à cause du nombre de draps qu'on a. Et nous, chaque année, on achète des nouvelles couettes, tu sais, pour faire différent et tout. Donc, bien sûr, ça s'accumule et on n'a pas une maison, donc on n'a pas une genre de penderie où on peut tout organiser correctement. Donc, j'ai besoin d'aller organiser ça immédiatement. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Donc, c'est... Ouais, c'est pas mal ça, le bordel. Et là maintenant, le robot, on n'a pas eu le choix de le mettre ici parce que Cameron a failli le briser. Il a essayé de rentrer une voiture dans la fente. Donc on le sort seulement quand on fait le nettoyage. C'est pas vrai qu'ils vont me briser ça. Là, ça c'est ma vie. Ça me sauve trop de temps. Donc on le laisse ici. Mais bref, c'est pas ça l'important, c'est vraiment ça. Donc moi, ce que j'avais pensé faire, c'était d'acheter un panier. J'ai pris le plus gros que j'avais trouvé chez Walmart dans ce temps-là et mettre les draps. Mais c'est que c'est ça. C'est que les grosses couettes se rangent mal. Puis moi, vous savez comment que j'aime quand les choses sont organisées. Quand c'est comme ça, moi, ça me donne mal à la tête. Alors, je suis bien contente d'avoir reçu ces bacs de rangement. J'ai bien hâte de voir leur efficacité. Apparemment qu'ils peuvent ranger plus de comme 90 L de vêtements, draps, etc. Puis c'est vraiment pas juste pour ranger des draps. En fait, c'est ça, c'est pour organiser en général. Voilà,
c'est ça le colis, ça vient de Amazon. Je vous laisserai, comme je vous ai dit, les liens en barre d'infos pour ceux qui vont vouloir s'en procurer. Au début, j'allais utiliser ça pour ranger les draps des garçons, mais eux, des garçons, s'organisent beaucoup mieux que nous parce que justement, c'est des petits draps de petits lits, mais nous, c'est un drap de lit queen. Donc, c'est la compagnie King Duway, une compagnie sur Amazon qui font des genres de bacs de rangement et tout ça. Donc, on va ouvrir ça puis regarder ça ensemble. Un paquet vient avec 4. Donc, c'est des sacs comme ça, là, à zip. Il y a un handle ici pour pouvoir, bien sûr, le soulever. Parce qu'après avoir mis des choses comme ça, ça va être plus évident. Ici, il y a comme une portion transparente. Comme ça, on peut voir c'est quoi. Et non ouvert chaque sac et se demander qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, j'y pense. Mais là, je pense qu'on va mettre nos pantalons aussi. J'espère que j'en aurai assez. Parce que là, en fait, j'ai pas encore ouvert le deuxième paquet. Ça vient également avec 4 sacs. Mais c'est que j'avais espoir de pouvoir en donner aussi pour la chambre de mes garçons. Au moins, bon, je vais garder 2. Parce que comme je vous dis, ils n'ont pas beaucoup de choses. En fait, eux, je mets ça, leur drap dans un sac comme ça. Mais il n'était pas bon du tout, regardez. Ça s'est déchiré là, tellement qu'il y a de draps. Puis moi, j'aime pas ça là. Donc, j'aurais mis leur drap dans un comme ça. Mais honnêtement, genre, je trouve que c'est comme un peu de gaspillage. Parce qu'il y a tellement d'espace dedans que genre, je trouverais ça un peu stupide de mettre juste quelques petits draps pour les enfants. Donc, je vais voir. Je vais commencer par notre chambre. Et si possible, nos pantalons aussi. Parce que comme vous avez vu un peu dans ma garde-robe, nos pantalons, pas tous nos pantalons, mais nos jeans, ça ferait plus d'espace, tu sais, c'est comme, on a un mini, 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 mini walk-in, puis on a l'impression de pas avoir d'espace. Oui, c'est exactement ce que je disais. Je pouvais mettre plus de choses encore là-dedans, là. Vous pouvez utiliser un Dimo, donc peu importe lequel que vous avez, et taguer en fait ce qui est à l'intérieur de chaque chose. Surtout si vous mettez des vêtements, des fois c'est pas facile de voir si c'est un chandail manche long, un chandail manche court, un pantalon. Donc par exemple, moi je pourrais écrire drap. Attendez, à une main, c'est pas trop évident. Donc drap avec un S. Je vais mettre le caractère le plus gros, donc c'est 24 et imprimer. Et voilà, je le coupe. Et voilà, c'est écrit drap et je peux le coller ici, par exemple. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, désolé, j'ai comme le double qui est collé sur mon doigt, là. Mais c'est pas nécessaire, on va pas faire ça, là. Il nous en reste un en plus. Puis j'ai déjà rangé toutes les draps, regardez. C'est fini. Et j'ai les 4 autres pour la chambre des garçons. Donc, croyez-moi que je vais ranger également nos pantalons dans ces trucs-là. Là. Ça va être malade. Puis je pense que pour les pantalons, je vais le noter. Puis je vais écrire pantalon. Voilà, là vous voyez je transpire, regardez-moi pas trop là je vous dis, ça a été du sport, ça a été du sport. Alors je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce vidéo, n'oubliez pas d'aller voir le lien du vidéoclip de Cruel Automne d'Emmanuel Travis featuring, j'ai oublié le nom de l'autre gars là, mais bref, ce sera en barre d'infos et avec mes deux chéris d'amour qui sont des figurants, donc vous pouvez faire un petit coucou si vous y êtes allé. Sinon voilà les gars, alors je vous dis encore un gros merci d'avoir écouté ce vidéo et on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo.